Dans l'imaginaire collectif, les peintures rupestres sont le symbole de l'art préhistorique. Les premières à avoir été découvertes sont les représentations de taureaux de la grotte d'Altamira en Espagne. C'était entre 1875 et 1879. Elles ont 14 000 ans. Ne sont-elles pas magnifiques? Ces gravures et ces peintures, bien que fragiles, ont été conservées, car elles ont été effectuées sur des supports durables qui résistent au passage du temps. Néanmoins, l'on imagine aisément que l'art préhistorique devait être beaucoup plus varié, avec peut-être des travaux sur des peaux par exemple. Sauf qu'on n'en retrouve pas, car ces matériaux sont périssables et se sont dégradés depuis bien longtemps. Néanmoins, en 1912, on a fait cette découverte formidablissime, des sculptures de bisons en argile. Ces bisons ont été façonnés il y a environ 14 000 ans. Ils sont situés dans la grotte du Tuc de Doubert, dans la commune de Montesquieu-Avantès, en Ariège, à 590 mètres de l'entrée environ. Les conditions particulières de cette grotte ont probablement rendu possible leur conservation et nous permettent d'admirer ce chef-d'œuvre unique au monde. Le groupe de bisons comporte trois sculptures en argile, accompagnées d'une gravure. Elles reposent sur un rocher de 1,5 mètre de long. La scène représente un mâle qui suit une femelle, le dos tourné vers l'entrée de la grotte. Ils sont accompagnés par un petit bison qui lui est situé au pied du rocher. La scène est saisissante par son réalisme et semble représenter des bisons en mouvement, signe époustouflant de la qualité de l'art de l'époque. Le mâle mesure 63 cm de long, 13 d'épaisseur et 31 cm de haut. Les caractères sexuels primaires ne sont pas marqués. On voit pas les burnes, quoi. Mais on l'identifie néanmoins comme un mâle par son aspect massif, sa bosse plus volumineuse et son chignon, c'est-à-dire sa touffe de poils entre les cornes, plus marquée. Les naseaux sont quant à eux à peine esquissés. La femelle est de taille comparable, mais, comme on peut le voir, ses oreilles et ses cornes sont très détachées du corps. Son œil est représenté sous la forme d'une boule d'argile avec un petit trou au milieu, tandis que les naseaux sont très discernables. Le petit bison fait lui 13 cm de long, pour 10 cm de haut et 4 d'épaisseur. Comme dit précédemment, il est lui situé au pied du rocher sur lequel sont les deux grands bisons. Il a été découvert par le célèbre préhistorien Émile Cartaillac. Le jour de sa découverte, ce dernier laisse accidentellement l'empreinte de sa paume sur le bison, alors qu'il met la main dessus sans le faire exprès, signe que l'argile est restée malléable. D'ailleurs, ce qui est fantastique et très émouvant, c'est que l'on dispose de plusieurs empreintes de doigts de la personne ou des personnes qui ont sculpté cette œuvre. Entre les deux bisons, des boulettes d'argile, qui servaient à tâter la consistance de la glaise et à préparer le travail avant de sculpter, portent des traces de doigts, et l'on retrouve également ces empreintes sur la surface humide des bisons. Cette œuvre est unique et n'a pas d'équivalent en Europe, ni dans le monde, ni dans l'univers en fait. En effet, il est rarissime que les conditions naturelles permettent la conservation d'œuvres de ce type. La statuaire des bisons d'argile de la grotte du Tuc de Doubert, à admirer à Montesquieu-Avantès. Sauf que c'est pas vraiment possible, car la grotte n'est pas accessible au public. Mais il existe de bonnes reproductions, notamment au Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye.